Adeline, faut que je te parle. Alors non, ne dis rien. Je suis l'homme de ta vie, tu es la femme de ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à faire du sport avec Antonin, l'abruti. Et c'est comme si moi, j'existais pas. Ça peut plus durer, Adeline. J'arrive. Salut, Marco. Antonin, il faut que je te parle. Oula, ça a l'air drôlement sérieux, là. On dirait que tu as avalé une demi-douzaine de parapluies. Oui, c'est sérieux. Alors, assieds-toi et écoute-moi. Bon, je m'assois. Voilà, je suis assis, je ne bouge plus. J'ai les oreilles ouvertes aussi grandes que le port de Marseille. T'as pas une petite idée de ce que je vais te dire? Ah, non. C'est au sujet d'Adeline. Oui. Réfléchis un peu. Mais écoute, Marco, tu veux me parler d'Adeline. C'est quand même pas à moi de deviner ce que tu vas me dire. Hein? Je suis pas médium, moi. Antonin, depuis que tu es là, Adeline, tu la vois tous les jours. Ah, ça, c'est vrai qu'on s'entend bien. Oui, et moi, je la vois plus. Mais tu la voyais souvent avant que j'arrive? Non, mais ça n'a rien à voir. Antonin, je veux que tu arrêtes de voir Adeline. Mais pourquoi? Mais pour que moi je la vois plus, voyons, c'est évident. Ouais, attends. On n'a qu'à se voir tous les trois ensemble. Réponds-moi franchement, Antonin. Qu'est-ce qu'il y a entre Adeline et toi? Mais entre Adeline et moi, il n'y a rien, c'est une copine, c'est tout. C'est tout? Oui. C'est vraiment tout? Eh oui. Tu me le jures? Je te le jure, allez. Ah. Alors ça, c'est la première chose que je voulais te demander. Marco, je sens que tu as un problème, là. Il n'y a pas de problème. Bon. À moi maintenant de te poser une question. Il y a quelque chose entre Adeline et toi? Il y a quelque chose entre Adeline et moi. C'est la femme de ma vie. Je suis l'homme de sa vie. C'est la mère de mes futurs enfants et tu veux savoir s'il y a quelque chose entre Adeline et moi? Mais, et Karen? Mais elle est repartie vivre chez sa mère, Karen. Ah oui, mais bon, tu disais aussi que c'était la mère de tes futurs enfants et elle est enceinte en plus. Regarde-moi, Antonin. Est-ce que d'après toi, je suis l'homme d'une seule femme? Ah oui, bien sûr, oui, je comprends, oui. Mais dis donc, tu crois qu'Adeline est amoureuse de toi? Mais bien sûr qu'elle est amoureuse de moi. Elle te l'a dit? Oui. Non! Elle n'ose pas me le dire. Je la trouble, elle me fuit. Elle a toujours un alibi pour pas être avec moi, alors. Eh bien, évite-la à dîner, alors. Mais elle va encore me dire qu'elle sort avec toi. Oui, c'est vrai. Comment c'est vrai? Tu la vois ce soir? Mais... oui. Ah! Ah! Tu la vois ce soir? Alors que moi, je suis à sa disposition. Tu vois bien qu'elle n'ose pas me le dire. Elle a peur, c'est tout, elle a peur. Mais de quoi elle aurait peur, puisque toi aussi, tu l'aimes? Antonin, mais alors tu connais rien à la psychologie des femmes. Bon, et si tu l'invitais tout simplement, comme ça? Elle refuserait. Elle refuserait parce qu'elle m'aime. Elle m'aime sans le savoir. Bon. J'ai une idée. Je vais lui dire que je suis pris ce soir. Comme ça, toi, tu en profites pour l'inviter, hein, pour qu'elle soit pas toute seule, comme ça, ça paraîtra tout naturel. Et elle se doute de rien, elle accepte et... Oh, Antonin, tu ferais ça? Tu ferais ça, Antonin? Bah écoute... Antonin, t'es plus que mon cousin, t'es mon frère. Vous voulez faire un dentaire ce soir, monsieur Lavesse? C'est-à-dire que ce soir... Vous préférez pas demain? Non, c'est... Mais non, Louis, je... Ah non, mais j'ai rien dit, mais... Non, si vous préférez ce soir, bah, je préfère ce soir. C'est dingue, ça, parce qu'au moment où vous avez téléphoné, j'étais en train de me dire, justement, tiens, mais si ce soir vous faisait un petit inventaire, bah, c'est vrai, ce serait plutôt génial, non? Non, je rêve assez peu, monsieur Lavesse. Non, je travaille, je... Oui. Je fais comme ça, alors, non, bah, ce soir. Au revoir, monsieur Laplace. Reste bien, monsieur.
C'était monsieur Laplace. Je sais pas pourquoi, j'avais deviné. Qu'est-ce qu'il te veut encore? Il veut qu'on fasse un inventaire ce soir. Seulement, j'ai promis à ma cousine de lui garder son enfant. Je suis bien embêté, moi. Gérard, sans vouloir t'embêter, tes histoires, ça m'intéresse pas trop. Savoir où est Adeline. Le problème, c'est qu'il s'y prend toujours à la dernière minute. Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire, moi aussi? Faut que je prévienne ma cousine avant qu'elle ne parte, parce que là, c'est pas possible. Où est Adeline? Adeline, près de la piscine. Merci, Gérard. Mais je t'en prie. Ah. Bonjour, Adeline. Bonjour, Marc. Je voulais savoir, vous accepteriez une invitation à dîner avec moi ce soir? Oh, ça aurait été avec plaisir, mais... Ah, j'en étais sûr. Ce soir, je suis prise. Ah. Autrement, vous auriez accepté avec joie. Oui, avec joie, mais je suis vraiment désolée. Bon. Au fait, j'ai un message d'Antonin pour vous. Ah oui? Oui, il va au théâtre avec des amis ce soir, donc il ne pourra pas dîner avec vous. Ah bon, d'accord. Et donc, vous êtes libre. C'est-à-dire que... Non, ne dites rien. J'ai bien senti tout à l'heure à quel point vous étiez déçu de ne pas pouvoir dîner avec moi. Mais Marc... Non, ne dites rien. Je m'occupe de tout. Nous allons passer une soirée dont vous vous souviendrez toute votre vie. Mais écoutez... Non, ne dites rien. Je lis vos réponses sur vos lèvres, vos yeux, partout. Excusez-moi. Dis, Adeline, je suis vraiment embêté. Mais j'arrive pas à joindre ma cousine. Tu sais, elle doit être en chemin avec son bébé, hein, ça c'est sûr. Bah tant pis pour elle. Non, Gérard, tu nous laisses parce que là on est occupé. Hein. Mais Marc, tu comprends pas. Elle vient ici avec son bébé. Le bébé que tu dois garder ce soir. Oui, elle vient avec son bébé. Je suis embêté parce que ce soir j'ai un inventaire avec monsieur Laplace. Bah tu colles le bébé. J'ai une babysitter et tu nous laisses parler. J'ai une babysitter. Ma cousine déteste ses babysitters qu'elle ne connaît pas. Elle va pas confier son enfant à n'importe qui, c'est vrai. Faut la comprendre aussi. Toi, 3 mois, t'aurais voulu qu'on te confie à n'importe qui? Non, bon bah c'est comme ça. Oui, Gérard, tu te calmes et tu nous laisses, Adeline-moi. Bah, vas-y, mais enfin, si elle vient avec son bébé, comment je vais faire? Avec cet inventaire qui me coince, hein, comment je vais faire? Bah, faut trouver une solution. Bah oui. Mais je te le garde, moi, ton bébé. J'avais un dîner ce soir, mais... Mais Marc m'a dit qu'il est annulé. Oh, c'est génial. Désolée, Marc, voyez, je suis prise ce soir. Oui. Là, le repas de soir avait vite fait, moi, je te le dis. Hein. J'y pensais. En entrée, un petit soufflé de fruits de mer, ça c'est très bien, c'est diététique. Mmh. Un petit émincé de chevreuil, aux truffes, attention. Puis on terminera par une petite forêt noire, ça c'est bien. Mmh. Tu me gâtes trop. Bon, tu poses ça. C'est vrai, parce que quand je te vois comme ça, j'ai l'impression que tu manges rien. Bah, t'as peine plus gros que mon petit doigt. Et pourtant, avec tout ce que tu me cuisines. Mais rassure-toi, tu sais, je serai pas la seule à en profiter, je te le dis. Ah bon, reçoit du monde ce soir? Mais non, c'est pas ça. Ben, je pensais à Daniel, écoute. Oui. C'est vrai que quand t'as la chance d'avoir une belle petite chatte comme la mienne, ben, faut en prendre soin, faut la gâter. Bon, je dis pas la gaver tous les jours, mais enfin, faut ce qu'il faut, tu vois. Mm-hmm, je comprends. Et puis Daniel adore les massés de chevreuil. Ah, tu adores les massés de chevreuil de ton papa, ma petite Daniel. Ah, tu nous gâtes trop toutes les deux. Mais non. En plus, j'adore cuisiner pour vous. C'est vrai, qu'est-ce que je deviendrais sans vous? T'as un amour, Gérard. Mais toi, qu'est-ce que t'es? Dis Adeline, ça m'embête, tu te sacrifies pour moi ce soir. Oh, tu sais, Marc m'avait tendu un piège pas très sympa et vraiment je savais plus quoi faire pour m'en dépêtrer. Mmh. Et puis toi t'arrives et non seulement tu me sauves ma soirée, mais en plus j'ai la possibilité de te rendre service. Oui, mais enfin moi, ça m'embête. Mais non, mais moi ça me fait très plaisir, je t'assure. Bon ben dans ce cas-là, alors... Tout va bien, madame la marquise, alors? Mais oui, tout va bien. J'ai passé une super soirée, tranquille, à lire à mon bouquin, à garder le petit bébé. Pendant que toi, tu feras ton inventaire, et dès que tu rentres, eh ben, on dîne ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, que personne ne vienne nous embêter. Ça doit être ma cousine, elle t'a déposé le bébé, sûrement. Ah, c'est toi, rentre. Aline est là? Oui, Aline. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marc? Aline, j'ai bien senti tout à l'heure que ça vous brisait le cœur de vous être sacrifié pour Gérard. Oh, ma mère, je t'ai dit de dire ça. Bah écoute, tu vas me faire culpabiliser. Ah, c'est pas vrai, Adeline. Mais non, c'est pas vrai. Alors? Écoute, Gérard, tu le sais bien. Quand tu veux arriver à tes fins, t'as un sacré culot, toi. Bah, alors, Max, tu vois, penser ça de moi, bah, ça me rend malade. Mais vous avez pas le droit de dire ça, enfin. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la solution. Vous montez chez moi, on dîne ensemble, avec le bébé, et comme ça, on n'aura pas sacrifié notre soirée pour rien. Bah écoutez, faut que je m'organise. Et puis après, je vous rappelle. On peut pas refuser, hein. Gérard nous appellera. Dès que sa cousine sera là, il viendra avec le couffin et puis il nous apportera 2-3 choses à manger. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vous rejoins. À tout à l'heure.
Mais mon Gérard, faut pas croire tout ce qu'il dit. Mais enfin, non, tu sais... Mais t'es le garçon le plus adorable que je connaisse. Par contre, maintenant, il va falloir que je trouve une idée pour pas aller à son dîner. Je voudrais parler à Madame Pichardot. Comment ça, de la part de qui? Mais ça fait 20 fois que je vous le dis! De la part de Marc Mallois. Mais bien sûr que c'est urgent. Non, je m'énerve pas. Ben, j'espère. Ah, je viens de faire une petite sieste, là. Je te raconte pas le bonheur que c'était. Alors, cousin, comment ça se passe avec ton amoureuse qui ne sait même pas qu'elle est amoureuse de toi? Antonin, hein? Si tu veux qu'on garde de bons rapports, il faut que tu changes de ton quand tu me parles d'Adeline. Mais qu'est-ce que j'ai dit? T'avais une petite lueur moqueuse dans l'œil. Et ça, je ne le tolérerai pas, d'accord? Ouh là là, hey, Marco, il faut que tu te détendes un peu, là. Tu es toujours tellement crispé, tellement stressé, là. Comme ça, tu pourrais servir de pressoir pour l'huile d'olive. Tu sais qu'une petite sieste de temps en temps, ça te ferait pas de mal, toi, hein? Peut-être, mais en tout cas, je plaisante pas avec Adeline. Bon. Tu m'as toujours pas dit, en tout cas, comment ça s'est passé avec elle. Merveilleusement bien. Elle est ravie, positivement enchantée. Eh bien, tu vois que ça a marché. Elle est même sur un petit nuage. Superbe. Et toi? Moi, je suis sur les nerfs. Écoute, va faire une sieste, y a rien de tel. Allô? Elle est toujours pas là, votre patronne? Alors j'espère qu'elle va me rappeler. Au revoir. Hey, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que tu as là? Il m'arrive que je suis sur les nerfs à cause de Gérard. De la cousine de Gérard et de la progéniture de la cousine de Gérard. C'est vrai qu'il doit le garder, là, le pitchoun, mais... Je vois pas en quoi ça te concerne. Ça me concerne parce que ce soir, Gérard, il a un inventaire. Et que c'est Adeline qui va garder le pitchoun. Est-ce que j'en ai, moi, des inventaires? Écoute, je vois pas ce que ça change. Vous allez le garder ensemble, c'est tout. On le garder ensemble? Mais... Et alors ce soir, au moment stratégique, au moment où... J'amène Adeline dans ma chambre. Le pitchoun se met à brailler. Alors, tu crois que c'est romantique, ça? Non, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Hein? Antonin. Oui? Mon cousin. Mon frère. Toi, tu pourrais le garder. Mais le garder où? Bah ici. Mais en fait, tu es fou. Tu as dit à Adeline que j'étais pris. Je peux pas être ici, écoute. C'est vrai. Et tu as pas quelqu'un d'autre, là, sous la main? Mais si! Madame Pichardot! Ah, mais c'est peut-être elle qui appelle. Allô? Ah! Madame Pichardot, enfin! Mais... Comment ça, je traumatise votre personnel? Votre gouvernante menace de démissionner? Écoutez, Madame Pichardot, est-ce que vous croyez que c'est le moment de m'ennuyer avec des problèmes de personnel? Mais j'ai besoin de vous. Thérèse, ce soir, vous pouvez pas? Votre anniversaire de mariage? Mais est-ce que vous croyez pas que votre mari le sait que vous êtes marié depuis 30 ans? Est-ce que c'est la peine de le lui rappeler? J'ai besoin d'une babysitter, Thérèse. Bah alors demandez à votre gouvernante. Elle refuse. Elle menace de donner sa démission. Eh ben tant mieux! C'est ce qu'elle a de mieux à faire! Alors, les gens... sont d'un égoïsme. Bon, faut que je trouve une solution. Mais oui, Marc, c'est avec plaisir qu'on va le garder, votre bébé. Oui, mais il faudrait peut-être demander à Claire, hein, si elle est d'accord. Oh, mais je la connais, Claire, elle adore pouponner. Mais oui, mais elle sera d'accord. Ben, merci les filles, c'est une affaire réglée. Au revoir. Merci. Non, je demande quand même à Claire, hein. Claire, Claire. Tiens, Marc, vous êtes là? Oui, 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 et il nous demande si vous regardez le bébé de la cousine de Gérard. Un bébé? Mm-hmm. Ah, chouette alors, mais oui, bien sûr, pas de problème. Mais pourquoi est-ce que Gérard n'est pas venu nous le demander directement?
C'est parce que Gérard est un garçon timide, alors. Hein. Il comptait sur Adeline pour garder le bébé, mais comme Adeline a quelque chose à faire... Ah, d'accord, oui. Oui, mais pourquoi Adeline n'est pas venue nous trouver? Parce qu'Adeline, c'est une jeune fille timide, alors... Je ne vais pas vous déranger, quoi. Ah, voilà. Et à quoi est-elle occupée? Si c'est pas indiscret. Elle a un dîner extrêmement important. Avec un garçon? Oui, un beau garçon. Un petit copain. Oui, un petit copain. Oh, mais c'est génial! Marc! Allez, dites-nous qui c'est, Marc! Oui, bien sûr, je le dis. C'est Antonin. Antonin. Ah bon? Elle dîne avec Antonin ce soir. Ah oui. Oh, mais les filles, j'avais complètement oublié. Mais je peux pas garder le bébé ce soir. J'ai rendez-vous avec un fiancé pour dîner, hein. Je suis désolée. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure, tu nous as dit que pour une fois, tu dînais avec nous. Je viens de te dire que j'avais oublié. Je ne peux pas, j'ai un rendez-vous, je suis désolée, je peux pas garder le bébé. Mais moi aussi, en fait, je suis prise ce soir. Claire, tu te souviens pas que t'avais une conférence très importante à l'école du Louvre où tu devais m'emmener? Moi? Moi? Mais si. Mais non, tu dois confondre avec demain soir. Non, vérifie, je suis sûre que c'était aujourd'hui. Mais t'es sûre? Ah oui. Aïe! Mais oui, vérifie. Ce serait vraiment avec plaisir qu'on rendrait service à Adeline pour qu'elle sorte avec Antonin. Mais il vaut mieux être sûre. Je vérifie, j'ai mon agenda, là, voilà. Alors, ce soir... Ah bah oui, la tradition des mosaïques étrusques dans l'art funéraire de la proto-histoire romaine. Et alors, mais je voudrais rater ça, mais vraiment, pour rien au monde. Hein. J'imagine. Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 3 minutes, vous étiez toutes libres. On croyait, nous aussi, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde peut se tromper, hein? Ah oui, ça arrive. Bon, ben, au revoir, Marc. Et alors, dites à Adeline que vraiment, on est désolé pour elle, hein? J'imagine aussi que vous connaissez personne qui peut regarder ce bébé. Mais Marc, c'est vous le spécialiste du premier âge. Vous avez tout lu sur le sujet. Allez, au revoir. Eh ben, dis donc, t'en as mis du temps pour comprendre, toi. Eh oui, il y a des jours comme ça. Vraiment pas comment je vais faire pour échapper à Marc. Ah là, je suis vraiment désolé, je savais pas que tu n'avais pas mis de le voir. Sois pas désolé, Antonin, c'est pas ta faute, c'est lui qui est un véritable pot de colle. Mais t'énerve pas, ma chérie, on va se débrouiller, on va trouver une solution, puis c'est tout. Hein. C'est tout. Tiens, voilà les filles. Ah, vous voulez prendre un verre avec nous? Ah, oh, ben oui, avec plaisir, justement, je meurs de soif. Moi aussi. C'est gentil de nous inviter. Vous ne nous en voulez pas trop. Mais et pourquoi je vous en voudrais? Marc vous a pas dit, on peut pas garder le bébé ce soir. Mais pas garder le bébé, alors? Est-ce une raison pour pas prendre un verre avec Adeline et moi? Hein? L'eau est brune? Oui, excellente. Dites-moi, Adeline, vous ne nous en voulez pas, vous, d'avoir gâché votre soirée? Ma soirée? Bah oui, Marc nous a dit que vous deviez dîner ensemble, Antonin et toi. Et c'est pour ça qu'il voulait qu'on garde le bébé. Mais c'est une galéja de ça. Mais qu'est-ce qu'il a raconté? En effet, je devais dîner avec Antonin, mais il a eu un autre rendez-vous et il a annulé le dîner. Quoi? Vous dînez pas avec Antonin, alors? Non, pas du tout. D'ailleurs, je dois même dîner avec Marc. Oh, bah, il nous a dit n'importe quoi. Oui. Oh, il nous a menti. Mais en fait, c'est peut-être parce que c'était lui qui voulait se débarrasser du bébé. Là, je trouve qu'il mérite vraiment une bonne leçon, hein. On n'exagère pas, Antonin. Mais si. Hein. Je vais tout vous dire. Il m'a demandé de me décommander ce soir pour pouvoir t'inviter et j'ai fini par accepter. Antonin. Ben oui, mais moi je savais pas qu'il était comme ça. Là, je trouve qu'il exagère. Antonin a tout à fait raison, il mérite une bonne leçon. Et encore, vous ne savez pas de quelle manière il m'a extorqué le dîner de ce soir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire? Je crois que j'ai ma petite idée. Ça, c'est bien. Un peu de parfum. Tiens, Marc, c'est moi qui t'apporte le bébé. Il s'appelle Aurélien. Tiens, c'est papy Marco. Oui. Où est-elle?
Ah ben, elle est encore en cours, hein. Tu sais, elle n'est pas revenue. Hein. Et qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? Ah ben, ça, je l'ignore, Marc. Hein. Ben, depuis le temps que tu t'entraînes pour ton bébé avec Karen, tu vas être au point, non? C'est pas ça qui me fait peur. Hein? Mais je pensais que c'est elle qui ferait la cuisine. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, moi, je peux rien partir. Moi, j'ai plus qu'à l'attendre, quoi. Ben oui, c'est ça. Il ne devrait pas attendre. Hein? Salut. Salut. Tais-toi. Tu veux qu'on soit bien copains? Tais-toi. Tais-toi. Attends, papa va chercher un accessoire. Voilà. Tais-toi. Alors? Ah, c'est qui le chef ici? Tais-toi. Ah là là, Adeline qui est pas là et l'autre qui braille là. Tais-toi. Doudou, l'enfant dormira bien vite. Doudou. Eh bien, commencez. Vous allez bien, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est vraiment une excellente idée de nous avoir invités à dîner. Et il prépare des petits plats comme ça tous les soirs? Tous les soirs, je suis gâtée, non? Ah oui. Moi aussi, je sais faire la cuisine. Ah, ça, c'est super, hein? Tiens, monsieur Laplace qui était pressé, mais j'ai vraiment de la chance ce soir. Et puis, heureusement qu'on a eu l'idée de débrancher le téléphone, parce que je suis certaine que Marc essaye toujours de me téléphoner. Là, on a été un peu méchant, mais bon, il l'a bien mérité. Mais qu'est-ce que c'est que cette école? Ils peuvent pas finir les cours à 2 heures comme en Suède. Je l'ai oublié. Bébé, gentil. Pas maintenant, je t'en supplie, pas maintenant. L'enfant dormira bien vite. Chut, c'est Adeline qui arrive. Mon cher Marc, vous aviez besoin de moi, j'ai pas pu résister. Oh, le voilà. Il a de la voix, hein. Alors, j'ai expédié mon anniversaire de mariage en 4e vitesse et me voilà. Oh, si vous aviez vu la tête de mon époux, il était éberlué. Oh, qu'il est mignon. Alors, vous allez être contents. Nous allons passer toute la soirée ensemble. Le bébé plus la Pichardo. Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu ?